C'est parti pour le 11e épisode de Death Stranding. Let's go. Alors, prenons la moto et allons. Allons là où il faut aller. On va oublier. On va aller un peu plus vite. Déjà. Oh, sérieux. Je suis la file. Allez, c'est parti. La route tranquille. C'est un peu mieux en moto. Voilà, attends, voilà, sur passer, je pense. Là, ça passe. Oh. Et t'es en train de faire lequel de Mafia là? T'es en train de faire le 1, le 2 ou le 3? Ok. Ok. Et monsieur, pas content. Là y'a pas, y'a un pont. Vas-y, oh là là, sérieux. Toujours des cailloux, il lui faut pas ça. Vas-y, 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 avance. Bon, vas-y, fais esprit, ça offre. Vas-y là. Voilà. Ah, t'as 2 heures, ok. Ouais. Au début. Le A est là. B est où? Le B est là-bas. Okay. C'est au tout début. Ok, je suis arrivé là. Déjà. Oui, vas-y. Maintenant. On est là. On va aller. On est là. Il faut que j'aille là. Il faut que j'aille jusqu'à l'incinérateur. Allez, let's go. Donc c'est là-bas. Ok. Allez, c'est parti. Voilà, barrière. À 1600 mètres à peu près. Allez. Normalement, ça devrait aller assez vite là. Pas trop d'obstacles normalement. Juste des échoués. Faire attention qu'il n'y ait pas d'échoués. Ah oui, non. Voilà. Ça allait bien. Vers l'incinérateur. Alors. Ok, on va essayer de les esquiver. J'avais réussi comme ça la dernière fois. Ok. C'est là. On va aller au plomb là-bas. Vas-y. Ah bon, ok. Allez au petit pont. On va pouvoir aller tout droit. Il est content. Moi aussi. Bien. Et.
Ouais. Ah, 400 mètres. On va bien avancer. Le bébé apprécie la balade. Très bien. Et t'as rejoué à IE ou pas du tout, Ratos? T'as complètement abandonné. L'incinérateur est là. Très bien. On va rester là, bien sûr. Donc là, je suis... là. Donc là, il faut aller là. Ok. On va passer par là. Oh bah t'as bien raison. Oh, ça doit faire ouais au moins... Ça fait au moins 2-3 mois, je sais pas. En vrai. Ah, je crois que ça fait 2-3 mois, je sais pas. J'ai plus du tout allumé. Bah dès que j'ai commencé Death Stranding et Skyrim, j'ai arrêté en vrai. J'ai envie d'avancer sur Death Stranding pour le finir assez vite. On veut le finir assez vite. Et avancer sur du... avancer sur Skyrim aussi. Parce qu'il y a quand même pas mal d'heures de jeu. Skyrim. J'aimerais bien avancer. Bien comme il faut. Il y a des troncs d'arbres qui sont casse-couilles ici, je me rappelle. C'est là. Il y a vraiment des troncs d'arbres de merde ici. Je commençais FF7 aussi sur YouTube là. Il va sortir demain. Sur cette remake. Et bon, j'aimerais bien avancer un petit peu sur notre jeu. Allez. Ouais. Après, c'est vrai que ça intéresse moins. Ouais. C'est sûr, ça intéresse un peu moins, mais bon. Ouais, c'est comme ça. Hein. Bon, après, je fais du Fortnite et tout. Ça marche bien, donc. Cool. Ça, c'est surtout des jeux pour YouTube aussi. Plus loin encore. Ah, 1200 mètres. Sachant que... Est-ce que je passerai par là, en vrai? Est-ce que je passerai par là? Je finis à pied à la montagne? C'est pas mal, ouais. Je finirai à pied. Je pense qu'on va faire ça. Passer par là et on finira à pied. Bon, qu'on passe, hein, mais je pense pas qu'il y a... Oh, quoique. Quoique. Là. Ouais. C'est où? 840 mètres. Pas à côté encore. Allez. Il faut plus de batterie. On va arrêter d'accélérer. Frérot, avance. Oh là là. Pourquoi il fait des trucs si je comprends? C'est... Reculeux. Allez. De toute façon, il va falloir finir à pied. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Là-bas.
Allez. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Merci en tout cas, c'est gentil. Après, ouais, faut de la patience et faut être actif aussi. Est-ce que vous vous rappelez? Ok, plus de batterie. Parce que moi, je me souviens de quand j'étais dans le ventre de ma mère. Ah bon? Ah bon, non. T'es pas toute seule. Ben oui, t'as une jumelle, Yon. T'es une sœur jumelle, logique, t'es pas toute seule. Bon. Même de naître, on ne faisait qu'une. Ensuite, les chirurgiens ont voulu nous séparer. Après, ça dépend des jeux aussi. Ce jeu-là, les gens kiffent pas forcément, je peux comprendre. Ouais. Je vous ai toujours cul. Je peux comprendre. On n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche. La science, assiduité, ouais. Exactement. Mes jeux étaient ses joies. Et ses peines. Après, ce jeu, il a une commu, mais... Peu importe la distance entre nous, il ne faisait qu'une. C'est pas forcément des commus qui jouent à FIFA. Non plus. Séparé par le corps, réuni par l'esprit. On avait une grève, rien que pour nous. On la partageait. Mmh. Notre propre réseau qui ira le privé. Si on veut. Je suis à combien? 400 mètres. En sorte que tout le monde puisse partager la même chose que Lokno et moi. Allez. Après avoir signé chez Bridges, je l'ai entièrement visualisé. Un réseau capable d'unir tout le monde, peu importe la distance ou les différences, qui nous permettrait de former un tout. Ok. Le but ne serait pas d'uniformiser les gens, mais de leur permettre de pouvoir compter les uns sur les autres. Ok. Partager sur un pied d'égalité. Je savais que ça pourrait changer. 200-300 mètres. Et ensemble, on va analyser. Ben moi, en vrai, de base, exactement comme toi. Après l'attaque. De base, c'est le genre de jeu que je préfère regarder. Enfin, pas celui-là. En vrai, celui-là, de base, c'est pas un jeu qui me plaît de regarder, mais sinon, en temps général. Les jeux comme, bah par exemple, comme Resident Evil 2 que j'ai fait, tu vois. C'est des jeux que je préfère regarder et que y jouer, en fait. Ce jeu, à la rigueur, il a une forme de gameplay qui fait que... c'est cool d'y jouer. Et les autres jeux aussi sont cool d'y jouer, mais en vrai, je préfère les jeux d'histoire comme ça, c'est vrai que je préfère les regarder. Et pas forcément celui-là. Tu vois ce que je veux dire. Désolé. Par exemple, j'ai comme Skyrim que je fais. Je préfère regarder que jouer, moi. Comme Resident Evil 2 aussi. Il y a pas mal de jeux comme ça que je préfère regarder que jouer, moi. Mais après, quand tu joues, tu... Ce qui est intéressant, c'est de le streamer, quoi. C'est de faire apprécier aux gens. Ouais. Parce que ce jeu, si tu veux, il y a plein de trucs qui se voient pas, en fait, en regardant. Si tu veux, le gameplay il se voit pas, tu vois, voilà, tenir en équilibre. Tu sais, quand t'es sur la montagne et que tu dois marcher pendant des kilomètres, tu dois faire attention aux obstacles et tout ça, les gens qui regardent, ils voient pas forcément que tu essayes de faire attention aux obstacles. Et c'est intéressant, en vrai, c'est comme si toi t'étais dans la montagne et que tu avançais, tu vois. Avec la musique et tout, c'est kiffant, ouais. Bon, allez. On va lui apporter sa sœur jumelle à madame. Décontamination de la combinaison. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Ce serait déjà une bonne chose. Ça a marché pas mal de temps. Hein. Allez. Livrer la marchandise.
Kellingan. Non. Merde, elle est morte. Ouais, c'est ça, faut éviter les obstacles. Ah merde, elle est morte. Comment ça se fait qu'elle est morte? Aïe 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 aïe. Elle est dead, mama. Ça, c'est con. Je ne me doutais pas de tout ce qu'elle avait traversé. Je croyais qu'elle avait fait exprès de rompre notre lien pour mieux pouvoir voler notre enfant et s'enfuir avec elle. Je l'ai réparé comme elle me l'a demandé. Vous ne devriez plus avoir de soucis avec le limiteur. Mais j'ai remarqué quelque chose. Avant de toucher quoi que ce soit, j'ai pris le temps de bien examiner le code. Et je pense que quelqu'un y a touché. Si c'est pas le cas, alors c'est que ma mémoire me joue des tours. Quelqu'un aurait réécrit votre code ? Réécrit, c'est peut-être un peu exagéré. Disons en tout cas qu'il n'était pas conforme à ma dernière version. Mais bon, grâce à ça, j'ai eu l'immense chance de revoir Malingan. Peut-être qu'on a déjà trouvé notre coupable. Elle est morte là-bas sous les décombres, avec notre enfant dans son ventre. Et tandis que son cas est passé de l'autre côté, son A est resté là, lié à notre fille morte. Elle en était consciente, bien sûr. C'est pour ça qu'elle ne mettait qu'une seule menotte, pour qu'on ne puisse pas voir ses fonctions vitales. Si elle avait pu se servir de son invention préférée, elle a fait tout ça pour nous protéger, notre fille et moi. Thank you.
Ok, ouais, la chute lui a pas fait du bien. Non, bah après, c'est pas pour ça. En vrai, c'est. Si j'ai bien compris, si tu veux, elle est restée dans un endroit avec un bébé qui était entre l'autre monde et le monde d'ici. Et en fait, elle a été. Elle a coupé le lien et je pense que une partie d'elle est restée avec. Et elle peut pas survivre en dehors de la zone. La zone où elle était, je pense. Ben c'est compliqué à comprendre, mais quand tu joues au jeu, tu comprends quoi. Mais c'est. Mais je pensais pas. Je pensais pas que. Qu'elle allait mourir. Ben on verra, hein. Je crois qu'elle est morte. Hein. Moi, je te rassure, j'ai pas vu, j'aurais rien capté. Hein. T'as de la chance. Après, son autre partie, il est allé avec elle. Et une partie qui est partie avec le bébé qui est mort, entre guillemets, et une partie qui est allée avec sa soeur jumelle. Pour qu'ils fassent plus qu'un. Ok, on va se reposer. Va peut-être avoir une cinématique, je pense. En sortant. Mais ouais, c'est. En faisant le jeu, je comprends de plus en plus un peu ce qui se passe, mais c'est pas. C'est un peu flou encore quand même. Apparemment, ouais, son âme, entre guillemets, est allée avec sa sœur jumelle et maintenant ils font un. Ils sont un dans le même corps, si j'ai bien compris. Ce qui est très logique. Ce qui est très logique. Parce qu'apparemment, à la naissance, peut-être qu'il y aurait une âme pour deux corps. C'est elle qui nous a dit ça sur le chemin. On va la croire, hein, qu'est-ce que je te dis. Hein. Bon, moi, si j'ai des collègues qui sont jumeaux et me disent ça, je leur dis vous avez pété les plombs, mais bon, si elle a dit, c'est que c'est bon, c'est que c'est vrai. Hein. À mon avis. Hein. Ah putain, il n'y a plus le bébé? Oh. Lou, c'est ça que vous cherchez? Surprise! C'est Fragile qui m'a amené ici. J'ai enfin pu faire un tour sur la grève. Du moins,
sur sa grève. Vous en faites pas, j'ai sûrement pas fait tout ce chemin pour faire du tourisme. Intérêt. Ce gentil petit chérubin est en train de glisser sur la mauvaise pente. Ok, épisode 6, Dead Man. Ok, donc épisode 6. Il y a combien d'épisodes? Ben, je vais te dire combien d'épisodes. Vous vous rappelez peut-être que je vous ai expliqué comment fonctionne ces incubateurs dont on sert pour connecter les bébés à leur pseudo-mère via le réseau chiral. Pour parler schématiquement, les brises brouillards sont des ponts qui relient notre monde à celui des échoués. Leur place n'est ni ici parmi nous, ni là-bas dans le monde des échoués. Elle est précisément entre ces deux mondes, et ils n'ont de véritable affinité ni avec l'un ni avec l'autre. Mais cette unité, le bébé 28, est semblerait-il progressivement en train de basculer vers le monde des vivants. Vers vous, ça. C'est parce qu'on est partenaire. Partenaire? Sam, un bébé est un outil, pas un être humain. Un pont, oui, un humain, non. Et alors, c'est quoi son problème? Son problème, c'est que cette arme est en train de se transformer en être vivant. Il prend du poids. Son activité cérébrale ne fait qu'augmenter. Il accumule même des souvenirs. Le bébé 28 a développé une conscience. Il devient un véritable enfant. Je vois vraiment pas en quoi c'est un problème. C'est du matériel, Sam. Fabriqué dans un but bien précis. Un but qui ne peut pas du tout mener à bien hors de sa capsule. On a 70% de chances de l'endommager de façon irrémédiable rien qu'en essayant de l'extraire. Ce qui importe peu, parce que si on ne fait rien d'ici là, il cessera tout bonnement de fonctionner d'ici quelques jours. Il cessera de fonctionner? Exactement. Même la capsule ne suffira pas. Il sera bon pour la casse. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Le réinitialiser. Il va falloir me le laisser, évidemment. Dans un premier temps, je couperai ce cordon qui vous relie, puis j'effectuerai une opération pour le reconnecter à l'autre côté. Vous pouvez voir ça un peu comme une petite tape pour rectifier son alignement. Pour le remettre là où il devrait être, c'est-à-dire pile entre le monde des vivants et celui des morts. Mais je le répète, pour ça, il va falloir me le laisser un temps. Ça va marcher au moins. Évidemment. Mais c'est risqué. La chirurgie pourrait effacer ses souvenirs. Les effacer? Lou va m'oublier? Relax, le bébé redeviendra parfaitement opérationnel. Il va falloir me faire confiance. Allez. Ayez confiance, on va pas en faire un drame. Et c'est comme si on le réinitialisait, c'est tout. Ah, c'est exactement pour ça que j'ai horreur de ces trucs. Sam. Je me sentais déjà bien crasseux après mon petit tour sur la grève. Mais là, votre bébé vient d'en rajouter une couche. C'est trop pour moi. Ok. Prendre une douche. Ok, faut prendre une douche apparemment. Oui, prise la douche. Hein. Bon, hein. Pas dire, mais. J'ai fait beaucoup de recherches sur les premières expériences sur les bébés.
Officiellement, elles ont été interrompues par le gouvernement. À la suite d'une néantisation qui a malheureusement tué le président par intérim de l'époque. Les bébés ont été interdits. Et tous les documents ont été détruits. Mais visiblement, les expériences ont été poursuivies en secret. Et qui en avait donné l'ordre? La présidente, Strand. Mojet? Les bébés jouaient un rôle clé dans la compréhension du mystère entourant le Death Stranding. Ça, elle avait un programme bien précis pour eux. Ils n'ont pas été conçus comme de simples détecteurs à échouer. Elles, ce qu'elles voulaient, c'était les incorporer au réseau chiral, pour faciliter les déplacements vers la grève. Mais de ces plans, aucun n'a jamais pu se réaliser. Et maintenant, il est trop tard. Cette technologie est tombée aux mains de terroristes. Qu'est-ce que vous savez sur Die Hardman? J'ai bien peur qu'ils soient impliqués. Je ne sais pas depuis combien de temps il fait partie de l'équipe de Strand. À ce jour, je ne connais pas son visage, ni même son nom. Mais je pensais que vous, comme vous vous connaissez depuis une paye. Je ne l'ai pas connu sans son masque, moi non plus. Il me semble qu'il a été brûlé au visage. Je vois. Désolé. Les données que j'ai trouvées sur l'époque sont toutes classées au niveau de confidentialité le plus élevé. D'après ce que j'ai pu voir, le directeur est le seul à être habilité à les consulter. Mais grâce au réseau chiral, nous avons une nouvelle opportunité. Si je peux compiler les données du domaine public qui sont fragmentées et disséminées à travers tout le pays, alors je serai peut-être en mesure de reconstituer de nouvelles pièces du puzzle. Faites attention à vous, Sam. Il vous surveille. Eh bien, Sam, vous avez de l'humour, ça ne fait aucun doute. Enfin, c'est un excellent moyen d'échapper à la corvée de lessive. Réparer le bébé, ok? Oh non, c'est vous qui allez le réparer. Je ne pourrai jamais y arriver sans votre aide. Allez consulter le terminal de livraison à l'étage pour voir les détails. Quand vous serez prêt, évidemment. Ok. Améliorer l'état du bébé en se branchant aux installations. Ok, vas-y, on se taille. Très bien. Bon, apparemment, Hardman, ça serait un peu bizarre. On verra. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Je vais arrêter YouTube là déjà. Donc merci d'avoir suivi, on se retrouve très vite pour la suite de Death Stranding. Allez, peace, prenez soin de vous.